Barry Smith, plomberie 24 heures sur 24 et gourou de Kung Fu. Déblocage de tuyaux et de chakras depuis 1987. Ouais, on peut toujours essayer. Il faut que j'ouvre ça. Je me demande si ça pourrait me servir. Juste un petit morceau à enlever ici. Il faut beaucoup de briques pour cette super construction. Tout en douceur. Ce sera la plus exquise sculpture jamais créée. Cette torche a brûlé juste assez longtemps pour que j'arrive ici. Les gens viendront même de Brick County pour l'admirer.
du moins tant que le temps ne se réchauffe pas. Tout en douceur. Aucun d'eux ne correspond à l'image que je me fais d'un Barry. Il y a peut-être une sonnette pour un père réceptionniste. Un gong. C'est encore mieux qu'une sonnette. Je suis ici pour voir Bar. Chut, il faut que t'écoutes ça. Bienvenue dans Apprenez le Kung Fu en dormant. Détendez-vous. Vous êtes maintenant totalement détendu. Fin. Je connais le Kung Fu. Prouve-le-moi et la plomberie. Peut-être que tu devrais d'abord te mesurer à quelques-uns de mes disciples. Recherche au plus profond de toi le potentiel que tu caches et tu triompheras de tes ennemis. Un autre truc utile, c'est de projeter ses adversaires. Voyons voir de quoi tu es capable. Oh, il va marcher de travers de ma peau. Pas mal. Équilibrons un peu les rapports de force. Oh, ça serait mieux. Allez. Tu t'en es bien sorti jusque-là, Jake. Tu n'auras peut-être pas autant de chance cette fois. Libère ton esprit. Comme tu viderais un radiateur avant de le remplacer. Aïe! Mais moi, je l'ai ressenti. Super! Aïe! Ah, ça, c'est très bien. Tes mouvements doivent être finis, comme l'eau dans les canalisations de tes intentions. Oh, oh là là! J'espère que tu es bon au bras de fer. Souviens-toi, un voyage de 10 000 km commence souvent par un coup de fil à gage en ton voyage. Oh, oui, mais bon, ils connaissaient les risques en entrant au dojo. Essaye de les jeter les uns contre les autres. Oh, il va avoir des combattants. Si dans la forêt, un arbre tombe juste sur toi, est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait vraiment très mal. Tu remarqueras que les garbes de marron sont un peu plus coriaces. Quand tu te bats, ton esprit doit être détendu. Détendu. Allez, je vais essayer le four allumé. Pas grave, il est électrique. Détendu. Allez, juste un dernier assaut, Chase. Mais mon pote,
T'es une vraie brute. Hé, mon gars, vas-y. Oui, projette un autre élève. T'en vas lever. Tu t'es bien battu. Prends cette ceinture comme symbole de ton talent. Je ne peux pas accepter ça, Barry. Pourquoi ? Hey, Chase, vous êtes occupé ? Ça a un rapport avec le service que vous deviez rendre à Ellie ? Oui ! Ah, quelle histoire ! J'étais volontaire pour aller chercher notre tout nouveau camion de police ultra-moderne, en vue de son inauguration au commissariat, cet après-midi. Mais vous avez été détourné par des criminels, c'est ça ? Waouh ! Comment vous le savez ? Attendez, à quel nombre je pense, là ? Allez, un indice, c'est 6. Le camion, Frank. Ah oui ! Eh ben, ils ont roulé avec un bon moment, mais là, on est à l'arrêt. Une idée de là où vous êtes ? Pendant qu'on roulait, j'ai entendu très fort une corne de brume. On a dû passer le long des docks. Les docks, hein. Et puis je me souviens avoir senti comme un passage à niveau. Des rails, d'accord. Et à l'arrêt, j'ai regardé dehors et j'ai vu Krabby Cove. Vous ? Oh, j'arrive tout de suite. Où ça ? C'est une urgence. Vous êtes là-dedans, Frank ? Oui ! C'est vous, Chase ? Vous êtes venu me délivrer ? Chut ! Johnny ! Va chercher le reste de la bande ! Et dis à Monsieur Chan que nous avons de la visite ! Oh ! Je crois que les voleurs sont encore dans le coin ! Soyez discrets ! Thank you.
chimpanzé. Si vous roulez vite, on peut encore arriver à temps pour l'inauguration. Je vais déjà essayer de nous sortir d'ici vivant. Et moi qui pensais ne pas avoir beaucoup d'ambition. Ça vous dérange si je reprends le volant? Je me montrerai et puis qu'elle pouvait me faire confiance. D'accord. Profitez bien des photos et des journalistes, Franck. Ah! Je ne peux pas attendre toute la journée, Marlon. J'ai un coup à rouvrir cet après-midi. Où est donc ce camion? Comme si je recherchais la gloire et la fortune. Moi, oh, mon public. Ah, le voici qui arrive, madame le maire. Juste à temps. Et me voilà avec notre nouveau camion. Encore une mission réussie pour Franck Chéri. Sur le banc. Désolé, madame. Bonjour, madame le maire. Salut, chef. Dunby. Chéri. Donut. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais à quoi vous attendiez-vous aussi en mettant Franck au volant? C'est votre faute, Marlon. Oula. Chase, donnez-moi de bonnes nouvelles. Vous avez trouvé Rex Fury? Eh bien... Ben, vous pouviez pas! Le chef vous a bien dit de rester à l'écart de cette affaire, non? Ah, vraiment? Mais pas du tout! N'est-ce pas, Chase? Non? Non, d'ailleurs, j'allais justement l'envoyer en mission sous couverture dans... Le gang de Chan Chuang? Je crois qu'il a un lien avec Rex. Oui, voilà, c'est ça. C'était comme ça que je suis arrivé, ça! Franck, Ellie, vous vous cachez ou quoi? Tu parles. Je reste aussi loin que possible de Dunby. Moi, j'ai vu une araignée! Je ne vois pas du tout comment nous allons nous sortir de ce bourbier. Ben, c'est simple. Je suppose que mes parents paieront. Comme d'habitude. Hein? Ils sont extrêmement riches, vous savez. C'est eux qui possèdent l'hôtel Oni à Paradise Sands. Ah! Je comprends maintenant. Enfin, Chase part en mission sous couverture. Il va avoir besoin d'une nouvelle tenue. Eh bien, félicitations, Chase. Quelle sacrée transformation! Je vous ai à peine reconnu. Ouais! Qui c'est ce type bizarre au sous-sol? Bon, je vais réfléchir à comment m'introduire dans le gang de Chan. J'espère qu'ils ont rouvert le pont qui conduit à l'île principale. Bonne chance, Chase. Oh, c'était Chase. À présent, trouvons un moyen de m'infiltrer dans votre gang, monsieur Chan.